Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Et ça fait la deuxième fois que je fais cette intro, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la mise à jour est sortie avec la nouvelle cuisine et tout ça, je vais en parler vite fait. Après, si vous êtes vraiment curieux par rapport à ça, j'ai déjà fait deux vidéos dessus. Donc allez les voir si vous êtes intéressés, parce que là je parlerai évidemment que de la mise à jour. Donc les rajouts de la pêche, les rajouts de la nourriture et tout ça. Moi, pendant mes épisodes d'exploration et tout ça, on va pas parler que de ça, bien sûr on va les faire. Mais voilà, on va pas faire que ça, on va pas monopoliser les épisodes pour ça. Donc voilà, ce sera sûrement dans la description, sinon ce sera dans la playlist. Tout est dans la playlist. En tout cas, tout ce qui concerne The Long Dark en ce moment, c'est tout dans la dernière playlist, la saison 8 en tout cas, pour ceux qui sont intéressés. Donc, il y a plusieurs choses que je voudrais faire. Donc nous sommes toujours à Milton, le dernier épisode de la survie du week-end, c'était... On avait cherché du coup la cache en fait à Milton, pendant l'aurore boréale, on l'avait trouvé et tout ça, ça s'était bien passé, c'était cool. Après ça, en fait, j'ai fait un autre épisode de farm et discussion. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant, je commence à faire des épisodes comme ça, que je sors pendant la semaine. Donc, du coup, les gens aiment bien de voir un peu plus de The Long Dark sur la chaîne. C'est plutôt cool. Même moi, ça m'amuse. Et on ne bouge pas, du coup, de l'endroit. On va sortir un peu. On ne bouge pas de l'endroit, on reste où on est. Et on farm et tout ça, et on discute, tout ça, tout simplement. Donc, voilà, ça permet de pas... découvrir de nouveaux lieux sans être en épisode de la survie du week-end. Et ça permet de farmer, faire un peu plus de The Long Dark pour tout le monde. Donc, tout le monde est content, moi le premier. Maintenant, ce qu'on a trouvé en fait pendant la farm et discussion de la dernière fois, c'est ça. Et ça, je suis extrêmement content. Donc on avait bien sûr la batterie qu'on avait déjà trouvée. On a trouvé deux câbles et on a trouvé trois fusibles de rechange. Et après, j'ai récupéré cinq morceaux de ferraille. Donc, on a absolument tout pour réparer une tour. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Je suis extrêmement content de ça. Du coup, on n'a pas besoin de retourner au lac mystère, évidemment. Par contre, maintenant, donc, il y a eu la mise à jour. Alors, peut-être que des gens m'ont prévenu en commentaire, mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout ça. Et vu que c'est plus ou moins, des fois, je les fais en avance, les épisodes, c'est un peu difficile de me prévenir, j'ai envie de dire, à part si vous êtes sur le Discord. Et du coup, regardez ça. Alors, ça va faire deux fois que je fais l'intro de cet épisode. Pourquoi? Parce que maintenant, il écrit « Enquêter sur le signal de la vallée de la rivière calme ». Quand j'ai vu ça, tout à l'heure, là, quand j'ai fait la première fois l'intro, quand j'ai vu ça, j'ai eu honnêtement peur en me disant, parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que j'ai un peu des problèmes par rapport à ma mémoire. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon dieu, j'ai complètement, genre, je me suis trompé quand j'ai lu la phrase, je suis en train de me préparer pour réparer une tour, alors qu'il y avait écrit enquêter sur le signal et tout ça, je me suis dit, je deviens complètement fou. J'ai eu peur, je suis retourné voir mon ancien épisode, et il y a bien écrit, je l'ai même sous les yeux, là, sur l'autre écran, réparer le transmetteur de la vallée de la rivière calme. Il y avait bien écrit ça avant la mise à jour. Donc peut-être que des gens m'ont prévenu qu'il n'y avait pas d'antenne, donc je suis désolé si jamais j'ai pas vu votre message à temps. Mais maintenant, il y a écrit « Enquêter sur le signal ». Et si vous vous rappelez bien, à un moment, quand j'ai vu qu'il y avait écrit « Réparer » donc l'antenne, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, je me rappelle pas avoir vu en fait une antenne là-bas ». Après, bon, bien sûr, on n'y était pas retourné en fait depuis la mise à jour. Donc c'est possible évidemment qu'ils en rajoutent une, hein, depuis la mise à jour, hein, ça fait quand même pas mal de temps. Mais j'ai dit à un moment, tiens c'est bizarre, je me rappelle vraiment pas d'en avoir une. Et bah apparemment, en théorie il n'y en a pas, tout simplement. En théorie, je crois qu'on a fait potentiellement tous les transmetteurs, toutes les antennes. Parce que là on n'a plus que deux choses, et c'est enquêter sur le signal et enquêter sur le signal. Donc ouais, je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Donc ouais, on va y aller du coup un peu plus léger. Mais on va quand même y aller. On va quand même y aller, mais on va y aller beaucoup plus léger. Donc on va virer ça. Donc ouais, sur le coup j'ai eu franchement peur pour ma mémoire. Je me suis dit, ouh, j'ai vraiment des problèmes de mémoire moi. Et ça devient extrêmement dangereux. Mais en fait non, ça va. Je suis pas encore totalement fou. On va virer le métal aussi, parce que du coup ça ne sert plus à rien. Aussi, si vous n'êtes pas au courant, les glands là, comme ça, ne les préparez pas.
en fait. Alors attendez, on va ressortir parce que ce bruit de grésillement, honnêtement, ça me tape un peu sur les nerfs. Et là, vu que je fais que parler, qu'on fait pas autre chose, autant sortir. Donc les glands, ne les préparez pas, j'ai déjà prévenu dans les autres vidéos par rapport à la mise à jour. Mais il y a des recettes en fait. Non, c'est des crafts. Des crafts, je sais plus exactement lequel c'est, mais c'est des hameçons. Si jamais vous voulez faire cet hameçon, là, il faut des glands en fait. Des glands pas préparés. Il faut juste les trouver en fait. Donc pensez à ça. Il y a plein de choses en fait comme ça qui ont été rajoutées. Genre là, il faut des douilles de revolver. Là, il faut du câblage. Mais il y a plein de choses en fait qui ont été rajoutées. Pareil pour les repas, les plats en fait. Il y a certains plats qui demandent par exemple des glands broyés. Un, pas quatre. Attention, c'est un seul, c'est pas quatre. Si vous en avez fait quatre, bah, du coup, bah, vous êtes un peu dans la merde. Parce que vous ne pouvez pas les remettre solo. Donc voilà, faites très très attention à ça. Pareil pour les baies. C'est les baies seules, c'est pas les baies préparées. Donc faites attention à ça. Il y a plein de choses. Il y a vraiment, vraiment plein de choses en fait qui ont été rajoutées comme ça. Donc dans un sens, c'est très dangereux pour tout le monde. Pour ceux qui ont déjà des sauvegardes bien avancées. Parce que vous avez potentiellement fait comme moi et préparé énormément, énormément de choses pour que vous soyez tout simplement prêt pour l'aventure, en fait. Mais voilà, mais du coup, voilà, c'est un risque. C'est un risque. Donc ouais, faites attention à ça. Honnêtement, je suis un peu déçu de ça, qu'encore une fois, on a beaucoup d'objets. Il faut pas, en fait, préparer, il faut pas les toucher, tout ça, pour au final pouvoir les utiliser pour les nouvelles choses. Ça m'embête un peu, encore une fois. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Putain, t'es sérieux là? On est là. Qu'est-ce que c'est sombre? Non, mais il y a un problème là. Tu vas me dire qu'il fait aussi sombre avec le soleil aussi levé? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Oh, il y avait de la neige et la neige a disparu. C'est très bizarre. Je vais être franc. Beaucoup de gens ont parlé de bugs, déjà. Avec la mise à jour vient juste de sortir, beaucoup de gens ont parlé de bugs. Des fois avec la voix de votre personnage qui change, des bugs où les gens n'arrivent plus du tout à pêcher, ils ne pêchent aucun poisson. Beaucoup de problèmes. Donc faites attention à ça. Honnêtement, j'ai même un peu peur de jouer maintenant. Je préférais potentiellement attendre un peu, mais bon, j'avais envie de faire ça. Je comprends pas pourquoi il fait aussi sombre. Ça m'embête. Surtout qu'on a une lampe, mais... Si j'ai une lampe, je sais plus si je suis venu avec une lampe ou pas. On a une lampe, mais on n'a pas de kérosène, je crois. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. Ça m'embête un peu. On a un nouvel arc. Encore une fois, c'est un objet à trouver. Hein. C'est pas un craft, évidemment. Le problème, c'est que tous les objets que j'utilisais pour passer le temps, c'est tous des objets... Ok, il fait un peu plus jour. C'est tous des objets, en fait, qui sont maintenant potentiellement utiles sans être préparés. Genre les glands, si je les prépare maintenant, je pourrais plus faire des hameçons. Si je prépare les baies, je pourrais plus faire certains plats. Vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, après, je connais pas encore tous les plats. Hein, donc, c'est pour ça que, pour le moment, j'attends, en fait, les choses. Mais voilà, ça reste un problème. Ça reste un gros problème. Là, on a quoi? Là, on a des munitions de revolver parfaites. Genre, par exemple, là, ça pourrait être sympa de pouvoir les transformer en douille. Mais on peut pas. Ça serait vraiment bien de pouvoir les transformer en douille. Alors attendre que des gens fassent des mods pour ça, parce que Interland pense à rien. Bon, excusez-moi, on va regarder si on a une lampe ou pas, parce que là, je voudrais chercher en fait dans la maison, mais on voit strictement rien. Non, on n'a pas de lampe. Putain, on n'a vraiment pas de lampe. Ouais, je pensais pas que... Ça va être un problème. Voir si on peut voir quelque chose. Ça, c'est un livre. Donc, ce que je cherche, oui, au passage, hein, c'est bien sûr les nouveaux objets. Hein.
Parce que oui, on a des objets en fait complètement nouveaux maintenant pour faire la cuisine. Et ce sont des objets qui vont bien sûr apparaître aléatoirement, donc des objets RNG hein, comme d'habitude. Et on va devoir les chercher et revenir sur nos pas. C'est pour ça que je voudrais finir en fait notre petite mission qu'on s'est fixée là, à la vallée de la rivière Calme. Vu que c'est encore une fois, c'est une région donc en extrémité, je voudrais la finir, comme ça on n'a plus besoin d'y retourner. Donc je pense qu'on va devoir rester à la rivière Calme. Boîte en carton, table, rien. J'ai l'impression qu'il n'y a strictement rien ici. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ça, c'est que de l'eau. De toute façon, pas besoin. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait des objets. C'est un peu bête. On va regarder en haut. On va regarder en haut. Je pense qu'on va aller à la rivière Calme, évidemment. Strictement rien. On va devoir faire des nouveaux crafts. Et aussi pourquoi je voudrais finir donc notre but qu'on s'est mis là. Comme ça, ça nous permettra, enfin moi surtout, ça me permettra de farmer dans un sens de mon côté. Et de pouvoir vous montrer en fait les nouvelles choses qu'on va crafter et tout ça. Donc ça va être intéressant. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas de chance. Je pense qu'on a strictement rien. Bon ben... Bon ben voilà. Voilà, strictement rien. On a strictement rien. C'est pas grave. C'est comme ça. J'aurais bien voulu un petit objet, mais bon. Alors maintenant... Alors, vu qu'on n'a pas besoin de réparer une antenne et que je suis pas fou, on peut manger ça. Bah du coup, on peut y aller en fait assez chargé. Alors, on n'avait pas pris de scie. On a juste un couteau. Pardon, de scie, si on en a une. Mais on n'avait pas pris de hache. Est-ce qu'on prend une scie sur nous? Moi, je dirais à la limite oui. Parce que la scie peut faire quelques boulots de la hache. Donc, je dirais pas non. On va prendre celle-là. Après le reste, on va le laisser. On, on est à 33 kilos. On a le sac de couchage qui est bon. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des objets par terre qui ont été rajoutés. Parce que oui, nous, on a... C'est un peu bordel parce que, bon, on a beaucoup d'objets par terre. Mais... Non, mais c'est bon. Bon, on va y aller. On va aller à la rivière Cap. Je sais plus exactement par où il faut passer. Ça, c'est un truc, par contre. Je vais être franc, je me rappelle plus du tout. Faut voir la viande. Ok, 1, 2, on est au max. Ouais, c'est très bien. On va prendre ça avec nous. On a faire de l'eau, aucun dégât. Alors après, on pourrait se balader dans les bâtiments de retour, mais en fait, on va peut-être pas le faire parce que sinon, ça nous fait perdre du temps. Genre, peut-être celui-là parce qu'il est sur le chemin. À la limite. Parce qu'en fait, il va falloir que je refouille plus ou moins tous les bâtiments. Je crois bien qu'il va falloir que je refouille tous les bâtiments. Pour voir s'il n'y a pas des objets qui sont apparus. Donc du coup, on va devoir refaire un épisode de farm à Milton. Et refaire encore le tour de tous les bâtiments. C'est bien. Putain, on commence à être habitué au bout d'un moment. Bon, par contre, pour aller à la rivière Calme, comment on fait? Parce que honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment. Est-ce que c'est... réserve de souvenirs. Est-ce que c'est par là? Genre la grotte qui est sur le côté ou pas? Je vais être honnête, je m'en souviens pas du tout. Je vais être franc, je m'en souviens pas du tout. Donc on va aller se balader. Alors aussi on a un nouvel objet. Ça il faudra qu'on craft.
C'est un accessoire, donc c'est pour tenir au chaud le torse, et ça fait 2 degrés, ça se met donc à la place de l'accessoire, et ça peut être utilisé à la place de notre cache-oreille, et c'est beaucoup mieux, c'est 2 fois plus intéressant. Le cache-oreille, c'est 1 degré pour la chaleur, et c'est 0,5 pour le vent, et ben l'autre, c'est 2 degrés et 1 degré. Donc vraiment très très bien ça. Vraiment content de ça. On peut peut-être faire une escale à la... à l'église, à la limite. À la limite. On a une dizaine de flèches, on a plus de 50% pour l'arc, donc ça va. On a de la nourriture, on a de l'eau, il n'y a pas trop de problèmes. Donc on ira à la rivière calme et on va voir un peu ce que ça nous donne. Tiens, on va voir les tombes, s'il y a quelque chose, ça m'étonnerait. Mais... on va pas les lire, je les ai lus je sais pas combien de fois, donc... pas vraiment besoin. On va aller voir l'église. J'aurais dû peut-être prendre du bois sur moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, regardons s'il n'y a pas des objets qui sont apparus. Strictement rien. Ok. La dernière fois, j'avais aussi parlé du fait que nous, on avait commencé dans la crique lugubre. Pas la crique lugubre, la rivière calme. On avait commencé notre aventure là-bas. Et vous vous rappelez que c'était à l'époque où on trouvait un peu tout et n'importe quoi comme objet. Oh là. Non, c'est pas des arbres. Intéressant. Où on avait trouvé un peu tout et n'importe quoi. Oh non, il y a du vent qui va exactement dans la direction là-bas. Des objets intéressants, et je me demande si on peut pas continuer à trouver des objets intéressants, en fait. Genre des objets qu'on est potentiellement pas censé trouver, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai pas pensé aux balles de revolver qu'on avait trouvées. On en a 10, mais on peut strictement rien en faire. Donc ça, c'est un problème, par exemple. Ça, c'est un gros problème. Je voudrais bien pouvoir les désosser, en fait. Je vois pas pourquoi on peut pas, on est d'accord. Hein. Après, je suis pas spécialiste en balles, hein, parce que les armes à feu dans The Long Dark, j'ai dû les utiliser une seule fois. Donc ouais, je sais pas exactement, je m'en rappelle plus, mais je pense pas. Hein, je pense pas qu'on puisse les ouvrir en fait les balles. On est obligé d'avoir un revolver et de tirer. Donc ça, c'est un problème, parce que là, on aurait pu avoir... on aurait pu avoir 10 douilles. On va aller se reposer là-bas. Pas mal de choses hein, qui posent problème hein, avec la mise à jour. J'espère vraiment qu'on va pas avoir genre moi ce que j'ai peur le plus en fait de tout ça, c'est des problèmes irréversibles qui vont un peu pourrir ma survie. Mais ouais, en tout cas on va peut-être pas pêcher, en tout cas pour le moment, vu ce que les gens disent. On va pas pêcher, on va dormir une heure. On va pas faire de pêche. De toute façon on peut pas ici. Ah quoi que si on peut techniquement en bas de Milton, mais bon on va pas le faire. On va juste se concentrer sur notre mission, comme j'ai dit, on va rien faire d'autre. On va strictement rien faire d'autre. Maintenant, je suis en train de me dire aussi une chose qu'on a, c'est qu'on n'a pas de lampe.
Et il y a des grottes là-bas. Il y a des grottes. Donc ça va être un problème de passer les grottes. J'y avais pas pensé sur le coup. Après, on peut faire sans les grottes, je crois. On n'a pas techniquement besoin de passer les grottes. En tout cas, pour aller à la rivière calme, si. Mais à l'intérieur de la rivière calme, je parle. Je parle de la zone en elle-même, en fait. J'espère qu'il fait assez jour à l'intérieur des grottes pour qu'on n'ait pas besoin de lampes. On va voir. Des lapins. Ah oui, si jamais on a combien de... D'accord, le jeu me dit pas combien j'ai de flèches. 3, ok. Et 10. Quand je l'ai changé, ça me disait le nombre de munitions, non? Pas du tout, c'est moi qui rêvais. Ouais, maintenant, quand je change, ça me le dit plus, c'est bien. Bref. Il faudrait trouver aussi des nouveaux pigeons, là. Et les attraper. Les attraper, les tuer, j'en sais rien. Mais il faut qu'on le fasse aussi, parce qu'on en a besoin. Donc c'est important. Est-ce que c'est cette grotte-là? Ouais, cette grotte-là. Ça. Vers le réseau de grottes. Je crois que c'est ça. T'es sérieux? Sans déconner, t'es sérieux? C'est genre... pur noir. Genre trou noir. Trou noir. Ça me rend fou. Aïe 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 aïe. On va avoir un problème avec ça. C'est vrai que partir sans lampe, c'était un peu une connerie de ma part. On va les éteindre, on va prendre le charbon. Pour repartir, on fera un feu, je pense. On fera un joli feu pour pouvoir faire des torches et tout ça. Elle est pas très grande la grotte, donc ça va. Elle est vraiment pas grande. Mais ouais, ça c'est un peu bête. C'est pour ça que j'aime pas partir sans lampe en fait. Ok, on y est. On y est. Donc on va devoir dormir ici et trouver du coup le... trouver la cache. Enfin, c'est peut-être pas une cache, c'est peut-être un bunker en fait. C'est possible que ce soit un bunker. Alors, je sais que des gens ont essayé de me dire exactement où il était. J'avoue que j'ai pas tout lu. Parce que je voulais le découvrir moi-même. Je voulais le découvrir moi-même. Donc, quand j'ai vu qu'on m'expliquait exactement où il était, j'ai... Ah, on va arrêter de lire. Donc voilà. J'aime bien découvrir par moi-même. Alors je sais plus par contre si on peut passer directement par là, ou alors il faut tourner à gauche. Je sais qu'à gauche ça descend directement. Je crois que là ça va dans une autre partie. Après il fait pas très très nuit, donc... pardon, qu'est-ce que je veux dire? Il fait pas très très froid. Donc on n'a pas vraiment de problème par rapport à ça, donc on peut se permettre de se balader. Ah...
On va éteindre la torche, ça sert à rien. Voilà, c'est pas mal là. C'était pas mal. Il faut faire gaffe parce que on pue la barbac évidemment. Alors, on a un peu de bois, on a un sac de couchage, on peut attendre la nuit, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on va attirer des loups par contre. Je sais pas si je suis déjà passé par là. On a un chemin là. Attends, on va faire ça. J'aurais dû prendre plus de charbon du coup. J'avoue que j'aurais dû prendre un peu plus de charbon. On a une corde pour monter tout en haut. Je sais pas si ça m'intéresse vraiment de prendre la corde. Je crois pas, franchement. Non, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des arbres à glands, donc ça serait bien de faire le tour un peu de la zone. Je sais. Honnêtement, je sais pas où je vais. Je sais pas du tout où je vais. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un cerf, très bien. C'est quoi ça, un sac? Strictement rien. On a des pas là. Je crois. Non? Ah, c'est quoi ce bruit? C'est pas les nouveaux trucs? Si, ils sont là. Ah, ah, ah. Attends, attends, il faudrait que je descende. Par contre, on n'a pas assez de flèches. Hein. On a vraiment pas assez de flèches, là. Enfin, de flèches durcies, je veux dire. Hein. Je vais devoir tirer des flèches normales. C'est pas grave. Mais allons les chasser. Alors, cela. Faire ça. Ok, nickel. Okay. Un peu de chasse. Une nouvelle chasse, c'est marrant. Ça me plaît, ça. Donc il nous en faut beaucoup, honnêtement. Ça dépend en fait ce qu'on peut récupérer d'eux, mais il nous en faut quand même pas mal, je crois bien. Parce qu'on va devoir faire le nouvel objet, comme j'ai dit. Puis après, je crois qu'il y a des hameçons avec, je sais plus exactement. Leur viande aussi, c'est très important de la récupérer. Enfin, ce serait utile. Ils sont petits. Hein. Ok. Joli. Joli. Ok.
Très joli. Qu'est-ce qu'il me reste? 9 et 1. Ça marche. Donc, faut voir un peu combien ça pèse, ces merdes. Ouh, la vache, 2 kilos. Viande et plumes, ok. 4 plumes à chaque fois. Ça marche, ok. Faut voir un peu le pain, ok. What? 28 minutes pour récupérer le plumage. Et il est quasiment pas affecté par les outils. Ah ben putain. Ah, tu te fous de ma gueule là. Le machin, tu le jettes contre un arbre et. Là. Ça, c'est un ours, ça, par contre. Il est parti par là-bas, apparemment. Je crois que je l'entends. On va continuer de ce côté-là. On va aller prendre des glands. On a beaucoup de massettes et tout ça. Je m'étais préparé, en fait, à prendre tout le matériel, genre la batterie et tout. Je m'étais vraiment préparé. Et du coup, on a beaucoup de nourriture, en fait, sèche. Donc, comme les... comme les massettes, par exemple. On a encore les glands à manger, ceux qui sont préparés. Donc voilà, on a beaucoup de calories en fait sur nous, même si on n'a pas beaucoup de viande. Je m'étais vraiment préparé pour peser le moins possible. Donc honnêtement, on est tranquille, on est très très tranquille. On va pas avoir de problème. Oh, il y a plein de trucs ici. On a vraiment pas de problème niveau calories et tout ça. Attendez. Ok, il n'y a rien. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est le vent, en fait. Le vent et le froid, c'est tout. Mais niveau calories et eau, on est bingo, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez, à chaque fois, je vous dis, attendez avant de jouer une mise à jour. Ne jamais vous plonger dans The Long Dark juste après une mise à jour, parce qu'il y a toujours des problèmes. Là, je l'ai pas suivi, en fait, mon conseil. Et j'espère vraiment que ça va pas me porter la poisse. On va aller voir là-bas, parce que j'ai vu qu'il y avait des cadavres. Donc, on va voir ça. Ah, voilà. Genre là, ça peut être un bon endroit pour se mettre à l'abri. Screenshot. Alors, tourte de tracker, une copieuse tourte de viande d'ours et de loup. Elle a un arrière-goût de danger, de mystère. Let's go. Attendez. Ça, c'est pour pas attirer les prédateurs. Donc, on a débloqué un truc. Fais voir un peu. Tourte de tracker, niveau 5. Alors, il faut... Alors, 0,50 de viande d'ours et 0,50 de loup. De l'huile, bon ça il faudra en trouver, des glands broyés, de l'eau, du sel, putain c'est beaucoup d'objets, hein. L'huile et le sel, j'ai peur qu'on n'en trouve pas, et ça fait 2000 calories, ça nous fait endurance max, augmenté, le transport de, le poids du, ouais, transporter ça c'est moins, repos plus, et mal de l'enfermement moins aussi, enfin c'est amélioré je pense. Ouais, c'est intéressant. Copieuse tourte de viande d'ours et de loup. Elle a un arrière-goût de danger et de mystère. Vraiment cool. Pas mal. Alors je sais pas si on la trouve automatiquement ici. Même les champignons, il faut pas les préparer. Je suis sûr qu'il existe des recettes avec. Donc les préparez plus rien. Ne faites plus rien dans le jeu. Honnêtement, ne faites plus rien dans le jeu. Alors je sais pas si les... Je sais pas comment ça fonctionne en fait, les recettes comme ça. Si jamais on les trouve aléatoirement dans des zones... Genre par exemple là,
Il y a cette recette-là qui existe. Point barre. Et elle est dans la région. Donc elle peut être sur un cadavre, par terre, ou je sais pas trop. Ou alors, si les recettes, en fait, elles peuvent être genre partout. Genre dans la zone. Vous voyez ce que... Enfin, partout dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment ça fonctionne. Si jamais vous avez plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à partager ça. Mais voilà. Si vous regardez cet épisode, déjà, vous pouvez en trouver une. C'est pas très loin de l'entrée, en plus. Honnêtement. Et ça doit être une des meilleures, en fait, que vous pouvez récupérer. C'est niveau 5. Vraiment content. Je vais voir un peu le bois qu'on a. 27. 27, c'est pas mal. On est à 47 kilos. C'est potable. Est-ce que j'entends encore des corbeaux? Je crois que j'entends l'ours. À droite. Faire attention. Ok, nouveau cadavre. T'es sérieux là? Copieuse tour de viande d'ours et de loup. Ah, ok. Bon, deux fois la même, super. On est d'accord, c'est deux fois la même. Ah, non, mais je l'ai lu, deux fois la même. Mais est-ce que ça a déclenché autre chose? Non. Bon, ben, je sais pas, bizarre. Bon, ben, à la limite, je dirais que peut-être que c'est... peut-être que c'est... un objet qui peut être à plusieurs endroits à la fois. Il fait un peu jour. Est-ce qu'on a assez pour faire un feu? Ouais, on peut faire un feu. On va en profiter. Ils sont allés où hein? Attends, ils sont où là? Ah, juste devant une grotte, t'es sérieux? Joli tir. Parfait. Ah! Hachette nécessaire. Ok. Bon, ça va, on peut faire le tour. Il faut une hachette ici. Une veste de ski. Je sais pas si on peut les trouver. Si. Non, je crois qu'on peut les trouver, les vestes de ski. Bon, du coup, en théorie, on peut se reposer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu maintenant avec la loupe. Vu qu'on est tranquille ici. Ah, il nous faut une hachette ici, ouais, pour les ronces et tout ça. Putain, j'avais complètement zappé ce problème-là. C'est embêtant. Alors, attendez, on va faire là. Ici. Très bien. Ah oui, quelqu'un a dit que... Oui, ils ont retiré... Alors je sais pas pourquoi, encore une fois, parce que c'est des idiots, hein, Interland. Ils ont retiré le sac de couchage, apparemment, du menu radical. Pourquoi? J'en sais strictement rien, et ça m'énerve, honnêtement. Ils font des trucs, on sait pas pourquoi. Donc du coup, je suis obligé de... Je sais pas comment. Faut que je passe par l'inventaire, c'est ça? Perfect. Ça me rend... Ok. Très bien. Oh, 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 oh.
Attends, il y a un loup dehors. Non mais t'es sérieux là, il y a autant de machins. Il y en a deux. Alors le feu il va rester longtemps. Hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Le feu il va rester un paquet de temps. C'est moi qui te le dis. Si je fais ça. Je sais pas ce qui se passe. Le monde est devenu étrange. Je sais pas ce qui se passe. Donc du coup, je suis dans la merde, moi, pour mon... Ouais. Du coup, il faut que je fasse... Non, je peux même pas le placer dans le menu radical. Putain, mais quelle merde. Je suis obligé de faire ça, en fait. Et en plus, c'est bugué, c'est bien. Ça me fait plaisir. Oh là là, regardez, mon truc était bugué. Mon interface était bugué. La vache! What the fuck? Il est genre derrière moi, au-dessus, derrière moi? Il est invisible? Comment ça se passe? Ouais, non, mais il faut pas jouer hein, quand il y a des mises à jour. Ah, là, là, c'est reparti. Non, mais là, ça m'intrigue par contre. C'est un fantôme. Je peux pas les toucher. Je peux pas toucher le chien en fait. What the f... What? What? J'ai retué le... J'ai retué le loup, qui était déjà mort. Ah, ah mais oui, ah mais non, mais je suis bête. Ah pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Je n'en avais pas parlé, ils ont rajouté les loups zombies. Ah putain, ah désolé, mince. J'ai complètement loupé. Ah, j'ai complètement oublié le coup des... Oui, des loups zombies. C'était dans la mise à jour, ils ont dit tiens, on va rajouter des loups zombies. Ah, c'est ça, c'est complètement ça. Désolé, j'avais complètement oublié de vous en parler. Ah là 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 là, je suis bête, pardon. J'ai complètement loupé. Aïe aïe aïe. Complètement oublié, les loups zombies. Eh oui, les loups zombies. Qu'est-ce que j'en ai marre de ce jeu. Plus moi, c'est... C'est une catastrophe. Vous avez vu le en bas à droite mon interface complètement buggée. Ça.
J'en peux plus. C'est ouf, quoi. Non, mais les mecs, ils testent que dalle. Hein. Ils testent rien du tout. Faut que je me débarrasse de lui qui est à l'extérieur. Faut absolument que je m'en débarrasse. Sinon, il va me foutre dans la merde quand je vais partir. Pourquoi il a eu peur de moi? Ouais, c'est mes vêtements sur moi. Donc. Incroyable. Alors, là, ça fait 2,18 kg. Je vais voir si je fais ça. Plume. Putain, mais t'es sérieux le temps? 28 minutes pour des plumes. J'ai fou de ma gueule. 001. Ok, d'accord, ça c'est pas lourd du tout, donc il faudrait en. Faudrait les récupérer en fait. Ok. Je vais être franc, on va dormir une heure. Voir s'il n'y a pas. Voir deux heures, attendez. Il n'y a pas d'aurore boréale en fait. Parce que je voudrais qu'on soit en pleine forme si jamais on doit faire une aurore boréale. On va faire ça. Alors ça, on le mange. Ouais, Deux heures. Je m'en fous de l'eau, hein, c'est... Ok, est-ce qu'il y a une aurore boréale ou que dalle? Donc, strictement rien. Strictement rien, ça marche. Ah! Les bois, je voulais faire du. Je voulais faire des flèches de bois là. Attends. Je sais qu'on voit pas grand chose. Je trouve que c'est complètement. Il est où? Je trouve que c'est complètement con, le plumage. Je trouve que c'est complètement con, le plumage. 28 minutes. Pour récupérer du plumage. Ou genre, il faut être délicat. Après, la bonne chose, c'est que... Bon, c'est 4 par oiseau. Ça, c'est très très bien. Encore heureux que c'est pas 1. Mais ouais, non, 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 c'est trop long, quoi. Nettement trop long. Je trouve pas de bois, je vois rien du tout, en plus. Il faut plein de petits bois, là. Je voudrais faire des flèches. Putain, j'ai des pigeons sur moi, en plus, quel con. C'est un peu con de ma part. Attendez, on va rentrer. Bon bah du coup on va rester pas mal d'épisodes ici, hein, je crois. On va rester pas mal d'épisodes parce que je voudrais être... Je voudrais être certain de plus ou moins faire tous les bons endroits. Et le problème c'est qu'on n'a pas vraiment tous les matériaux que je voudrais. Par rapport... Genre on n'a pas de lampe, on n'a pas de truc et tout ça. Ça, ça m'embête vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'avoue que ça m'embête beaucoup.
Je suis un peu... Bah en fait non, mais c'est la faute, bah, c'est la faute du jeu, hein, j'ai envie de dire. À la base, il me disait qu'on était parti pour réparer. Donc oui, moi je me suis équipé léger, quoi. On va devoir prendre la peau d'ours aussi, hein, c'est trop important. Alors, je vais voir Crafter, il m'en faut combien? Il m'en faut 3 de plus. Attendez. On voit rien du tout. Ouais. Oui, c'était con de ma part. Oui, oui, oui. Ça m'arrive de faire des conneries. C'est des lapins. J'essaye de voir si on arrive à voir des petits bouts de bois, mais alors... Putain, il m'en faut juste quelques-uns, quoi. Vas-y. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Parce que si jamais on doit tuer des oiseaux... Flèche quoi. Flèche durcie. J'ai pris une cible. J'avais un doute du coup sur ce que je l'avais prise ou pas. Caillou, je vois très très mal. Hein. Bon, allez, on rentre. Ça m'énerve. Bon, ben ça va pour un épisode quand même. Donc, on a eu deux recettes qui sont exactement les mêmes. Je sais pas si c'est normal. On a eu un loup zombie. Je sais pas si c'est normal. On s'est fait attaquer par un ours. On s'est fait attaquer par des loups. On a capturé des pigeons. On met 3 ans à les déplumer parce qu'on est empoté comme pas possible. Par contre, j'avoue que ça vaut le coup de les déplumer parce que après, c'est pas lourd du tout. En fait. Je vais voir le poids de la viande. 15 minutes. La viande, 0,98. Ouais, c'est quand même très lourd, mais je suis pas vraiment surpris. Ah, 0,6 après l'un. Ouais, en fait, on peut les garder vivants. Enfin, on peut les garder comme ça. J'essaye de gagner du poids, en fait. On était à combien? Ah non, si, attends, c'est peut-être mieux. Faut que je rotasse, parce que j'ai pas exactement vu les chiffres, en fait. J'ai fait de la merde. Ah. Okay. Genre toi, tu fais 1,90. Ok. 1,90 de poids. Donc 1,23 kg. Ouais, 1,25 kg. 29, pardon. Ouais, on gagne un peu. On gagne un tout petit peu. C'est pas énorme. C'est pas énorme, énorme. Alors, un truc qu'on peut faire aussi. Il est où notre ours? Attends, l'eau, elle est sûrement prête. Oui, je vois pas grand chose non plus, hein, je vous le dis. On va prendre 2 steaks, on va les faire cuire.
Vu qu'on va rester un petit moment ici, autant camper là, tranquille, et mettre de la viande. J'arrive pas à avancer. Parce que là, avoir un ours en plein dans une grotte, honnêtement, ça arrive jamais. Nickel. J'avoue qu'avoir un ours dans une grotte comme ça, c'est pas quelque chose qui est courant. Donc on en profite. Après, je vais être honnête, si je suis franc, je crois que on est plus intéressé par le plumage que la viande. Encore 40 minutes. On est plus intéressé par le plumage que la viande. Que la viande, c'est vraiment, c'est pas vraiment pour la manger directement. Ce serait plutôt pour la préparer avec des recettes. Donc bon. Comme j'ai dit, à chaque fois, il faut des objets RNG. Quand je vais dire des objets RNG, c'est des objets qui sont uniques et qu'on doit trouver. Donc, habituez-vous à ça. Donc, du coup, c'est pas vraiment la chose qu'on va faire le plus souvent. Nous, on va faire, bien sûr, les recettes, en fait, les plus difficiles, les plus haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si jamais il n'y a rien qui est haut niveau avec les pigeons, on va pas la faire. Je sais qu'on en a une, je crois, déjà. Je vais regarder. Alors, attendez. Alors, ça. Eau, avoine, gibier, c'est avec un bouillon, lapin... Le ptarmigan, voilà, il y a ça. Il y a ça, c'est... Ah, c'est pas mal, c'est avec un bouillon, 900 et quel, parce que nous, on est niveau 5. Durée de cuisson, 1h18, c'est énorme. Ça nous fait repos amélioré, en fait. Mais je crois que ça nous fatigue, du coup. Après, on a la truite arc-en-ciel, pas mal. Mot de tête. Faudra voir un peu les debuffs là, si c'est vraiment un problème ou pas. Ça, ça m'a l'air très intéressant. Poids transporté maximum augmenté. La tourte au gibier. Ah, attendez, on en a d'autres. Ok, ok, on peut en faire d'autres. Ah, c'est bon. Ouais, on a la tourte. En fait, les tourtes. C'est toujours du poids augmenté. Donc ça, je crois que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Donc on a au gibier, on a au lapin et on a à l'oiseau. Et à chaque fois, par contre, il faut de la farine et de l'huile. Ça, c'est un problème. Ça. Ça, c'est un problème. Par contre, ça, c'est 2000 calories pour 0,20. Ça, c'est intéressant. Après, moi, ce que j'ai envie de voir, en fait, c'est ça, les bœufs, là. Si jamais on mange pas tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on mange pas tout d'un coup? Est-ce que si on remange de la même, genre, les bœufs vont s'additionner? Est-ce que ça va créer des problèmes? Parce que ça aussi, hein. Vous savez qu'il y a des bugs tout le temps hein, par rapport à ça. J'en ai trouvé un sur sur mes vidéos où je parle du DLC. Il y en a un où... Alors, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais ouais, il y a un bug que j'ai trouvé en moins de 30 secondes de test. C'est magnifique. Mais ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Faudrait voir. Faut faire des tests. Absolument faire des tests.
On est à 31 kilos. Moi j'ai envie à la limite de pas trimballer la viande en fait. Et on la reprendra quand on partira. Alors juste garder les carcasses pour les plumes. Ah tiens, question. Si on garde des carcasses, est-ce qu'on... Quoi ce bruit? Est-ce qu'on sent la viande? Je vois un peu. Alors ça... Et ouais. Oh non, on est quand même bloqué avec l'odeur, quoi. C'est très embêtant. Bah après, dans un sens, ça... Oui, ça a du sens. Ça reste une carcasse, mais bon, il n'y a plus de viande dessus, donc... Putain, il n'y a aucun moyen de... Non. Ah, ça vaut vraiment pas le coup. Je vais pas perdre mon temps à le faire. Je vais pas perdre mon temps à le faire, là. Je le ferai... Ouais, on le fera vraiment quand on sera rentré. Hein. Je vais pas passer tant de temps à déplumer un truc. Hein. Ça va pas la tête. Ça fait plus d'une heure. Ça va pas la... Ça va pas la tête. Plus d'une heure pour 4 plumes. 4 plumages. Cinglé. Un peu les torches qu'on a. Là, on va la casser. Le reste, on pourra les utiliser pour reprendre une grotte. Il n'y a pas de problème. Bon, du coup, on va s'arrêter là. L'arc, il a pris méga cher aussi. On va s'arrêter là. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Je sais pas ce qu'on va faire exactement. Je crois qu'on va juste se balader. On va devoir se balader et attendre qu'il y ait une aurore boréale et tout ça. Mais bon, ça nous fait une belle aventure ici, parce que c'est quand même un endroit sympa. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'on est un peu lourd. Je sais pas si où je me suis mis, si c'est vraiment un bon lieu pour vraiment s'arrêter. Mais ouais. Il nous faudrait du charbon pour qu'on marque sur la carte. Je crois que... Nous, là, pour rentrer, c'est par là, je crois. Mais ouais, il faut absolument qu'on marque la carte. Mais bon, en tout cas, je suis content. On a récupéré la tour de tracker, c'est bien, tant mieux. Je sais pas si on peut trouver autre chose ici. On a fait les nouveaux oiseaux, là. Donc, on peut récupérer le duvet. Les plumes de ptarmigan. Elles peuvent servir à fabriquer et améliorer l'équipement. On va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Donc ça c'est cool. On n'a pas trouvé des nouvelles racines là. On n'a pas trouvé de nouvelles racines. Mais ouais, je suis content. Je suis content. On a récupéré quelques nouveaux trucs. On a eu des aventures un peu étranges hein, entre l'ours qui nous a foncé dessus direct, qui était à l'entrée de la grotte. Entre le loup zombie. Entre... C'est le bordel, c'est le bordel. La mise à jour vient juste d'arriver. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis de faire très attention à ça. La fourrure, je crois qu'on va la laisser. Elle a fait combien? 1 kg? Ah, 1 kg, c'est pas très très lourd, mais bon. Ça nous évitera de revenir en fait. Je sais pas. Ouais. On va dormir. On va dormir. Et on continuera ça la prochaine fois. On va se mettre là. Viande d'ours cuite. Ouais. Donc à la prochaine. Portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez si vous avez des aventures un peu étranges avec la mise à jour. Dites-moi. Mais ouais, faites attention. Je conseille de tout simplement attendre. À ce... ce HUD là. L'interface là qui bug en bas à droite.
Le bonhomme, il est à l'extérieur du cercle. Normalement, il est censé être à l'intérieur. Vous voyez? Normalement, il est censé être à l'intérieur. Hein. Ça me rend fou de voir ça. Oh putain. Oh la vache. Bref, allez, bonne nuit. À la prochaine, ciao.